J'avais besoin de m'exprimer. C'est un rêve, en quelque sorte, qui se réalise. J'exprime mes pensées, mes sentiments au travers mes petites œuvres. Voilà, je me présente Patrick Baratini, montagne à quoi depuis toujours. Et donc je suis dans la pierre depuis mon plus jeune âge. J'ai un CAP de tailleur de pierre. Je travaille dans mon atelier donc, sur Montagnac. Et je me suis spécialisé dans la gravure et dans la sculpture il y a quelques années. Voilà, je me suis lancé un petit peu plus dans le côté artistique plutôt que l'artisanat. J'avais besoin de créer et de m'épanouir surtout. C'est un besoin qui est venu avec l'âge. Les tailleurs de pierre, je suis né là-dedans. Mon grand-père était sculpteur. Mon père aussi s'est lancé dans le métier de la pierre. J'ai toujours été dans le milieu de la pierre. Donc, j'ai acquis une certaine maîtrise là-dedans. Mais bon, j'avais besoin de faire autre chose. J'ai souhaité me poser voilà, et changer un petit peu de rythme de vie et faire ce que j'avais envie. Je suis rentré dans le domaine de l'art. Il n'y a que la création qui compte et le relationnel avec les clients, avec les passionnés. Au niveau de mon travail, je m'oriente dans une matière qui est très très dure. C'est à base de quartz, donc c'est une matière qui est difficile à travailler. C'est un travail qui est fait entièrement à la main, que j'avais commencé dans mon atelier en solitaire. La solitude était assez inspiratrice et j'essaie de me démarquer de ce qui se fait habituellement avec cette matière. Je polis tout à la main, à l'eau. Je m'écarte un petit peu en travaillant un peu plus de pierre pour essayer d'élargir un petit peu ma clientèle. Au départ, en fait, j'ai voulu faire un cadeau à mon épouse avec une statuette la représentant, une statuette stylisée. Et puis, ça m'a plu, j'ai voulu continuer là-dedans. J'ai ressenti le besoin de m'exprimer au travers de la pierre. Et après, j'ai uni mes œuvres avec des petits textes qui les accompagnent. C'est un travail de recherche dans les textes, dans les formes. Bon, on n'est pas toujours dans l'inspiration, ça ne vient pas comme ça. Il y a des moments de création, des moments de réflexion. Je suis amoureux de la pierre parce que c'est un matériau noble, durable, qui reste dans le temps. Il y a le visuel, il y a le toucher. Je permets aux visiteurs de toucher, de caresser les statues pour qu'ils sentent la douceur de la matière, la douceur et la dureté en même temps. C'est un métier apaisant déjà, et puis de créer un objet qui sort de rien, on est content. J'ai des formes assez sobres, assez épurées, pour que chacun interprète l'œuvre à sa façon. Il n'y a pas d'homme, de femme, je ne fais que proposer, justement pour laisser la liberté de penser à tout le monde. On ne peut pas mélanger l'art et l'artisanat. On acquiert une maîtrise dans l'artisanat, une maîtrise manuelle, mais au niveau de la conception, de la création, il faut avoir une âme d'artiste parce que ce n'est pas des œuvres de commande. Transmettre ça, c'est difficile. On l'a ou on ne l'a pas. Ça peut se transmettre comme moi la maîtrise de père en fils, de grand-père. Là, il vient après. Ou on est créateur ou on est un bon artisan. Ma carte de visite, elle indique « Nous avons besoin de temps pour rêver, de temps pour nous souvenir, de temps pour être, non pas pour être l'ombre de soi-même. »